Good afternoon, 47. The Cardinal's security team has locked down the Sapienza Church. A small group of demonstrators has gathered outside to protest, but they are being kept away from the target and the church itself. Intelligence indicates a sizable team has secured every approach to the church and the target. Nothing you won't be able to handle. Good hunting. Good evening, 47. Your target is Father Adalrico Candelaria, a Catholic cardinal considered by Vatican insiders as a strong contender to be the next pope. However, ICA files indicate there is a series of links between the target and the Pinochet regime in Chile in the 70s and 80s. The target is currently on tour of Europe with a stopover at the church in Sapienza, where his itinerary states he will spend some time in prayer. He will be extremely well protected at all times by multiple layers of high alert security. The clock is ticking, 47. Good luck. Salut tout le monde, c'est Immortal71 Camille de oldschoolgameuniverse.blogspot.fr et on se retrouve aujourd'hui dans Hitman pour le prince à Sapienza, troisième cible fugitive de l'année 2016, réactivée pour le mois de décembre 2017, du 15 au 25 pour être précis. Donc merci à IO Interactive de reproposer les cibles fugitives qu'on n'a pas eu l'occasion de faire, quoi. Donc c'est plutôt intéressant. Alors donc au niveau inventaire, j'ai pris la corde à piano, le silver baller de l'ICA et le composé explosif. Je m'en servirai peut-être pas, c'est au cas où. En tout cas, le truc qui est intéressant, c'est qu'il ne paraît pas suspect une fois placé dans l'environnement, et ça c'est intéressant. J'ai caché aussi une petite surprise dans la... comment ? Dans la planque de l'ICA en objet de contrebande. Si j'ai besoin de m'en servir, vous verrez ce que c'est. Par contre, je n'aurai pas l'assassin silencieux. Donc là, on se dirige chercher une pièce de monnaie, car je n'en ai aucune. Allez, 3, tant qu'à faire. Voilà, ça c'est fait. Ah bah non, je suis bête, si je ramasse pas la clé. Hop, c'est parti, déverrouillé. Voilà, on prend son déguisement. Monsieur se retrouve en calbute et on va le cacher dans la caisse. C'est parti. Donc... regarde quand même. Ah, c'est bien ce que je pensais. Hop là. C'est fou ça quand même. Hop. On va se dépêcher de s'occuper des caméras de surveillance. Voilà. C'est parti. Alors... quand même regarder. C'est parti. Ah
Impeccable, je vais aller m'occuper du prêtre. Alors par contre, j'espère que... Ouais. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait le prêtre? Mais dépêche-toi, parce que l'autre va se ramener. Eh mince. Hop. Voilà. C'est pas possible de faire des allers-retours comme ça, mais qui servent à rien en plus. Eh ben voilà. Ouais. Mais oui, va. Ah bah elle est pas mal celle-là, dis donc. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Alors... Ah bah d'accord. Voilà, on va piquer. Par contre, je vois que lui, je sais pas trop ce qu'il fait en fait. Ce qui m'embête un petit peu, c'est le prêtre. Qu'est-ce qu'il fait? Là, il monte tout là-haut donc. D'accord. Très bien. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais. Bon. Leur voilà. C'est pas vrai. Bon bah finalement... finalement ça aura pas duré longtemps. J'aurais pas vraiment...
J'aurais pas fait ce que je voulais, j'avais finalement une opportunité beaucoup plus... Comment je pourrais dire? Beaucoup plus rapide en fait. Ma foi. Du coup, alors du coup, j'ai déjà fait la version. J'ai déjà fait la version Xbox One et en fait, ça va pas changer de beaucoup en fait. Je tue pas de la même façon, mais c'est au même endroit donc bon. Après tout, donc je pense que je les mettrai quand même toutes ces deux. Malgré tout, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Rond assassin silencieux, c'est impeccable. 7 minutes, c'est bien. Vous venez de voir la version PS4 et maintenant je vais vous montrer la deuxième sur Xbox One. Donc sachez qu'elles sont assez similaires sur beaucoup de points, hormis la façon de tuer qui est différente. C'est vrai que je voulais faire quelque chose de réellement différent sur l'une des deux versions et finalement j'ai vu que ça me prendrait beaucoup trop de temps. Du coup j'ai saisi l'opportunité de tuer rapidement la cible quoi. Donc c'est vrai que du coup elle est éliminée au même endroit mais bon voilà, il y a des petites choses quand même qui sont différentes dans la vidéo, donc vous le verrez en regardant les deux. Donc voilà, j'espère déjà que cette première vidéo sur PS4 vous a plu. Voici maintenant la version Xbox One. Allez, merci à tous et à tout de suite. Good evening, 47. Your target is Father Adalrico Candelaria, a Catholic cardinal considered by Vatican insiders as a strong contender to be the next pope. However, ICA files indicate there is a series of links between the target and the Pinochet regime in Chile in the 70s and 80s. The target is currently on tour of Europe with a stopover at the church in Sapienza, where his itinerary states he will spend some time in prayer. He will be extremely well protected at all times by multiple layers of high alert security. The clock is ticking, 47. Good luck. Good afternoon, 47. The Cardinal's security team has locked down the Sapienza Church. A small group of demonstrators has gathered outside to protest, but they are being kept away from the target and the church itself. Intelligence indicates a sizable team has secured every approach to the church and the target. Nothing you won't be able to handle. Good hunting. Re les amis, on se retrouve donc sur la deuxième version sur Xbox One. Donc toujours pour la troisième cible fugitive, appelée le prince. Donc alors dans mon inventaire, j'ai pris la corde à piano, le silver bowler, le couteau de cuisine chopé dans la cuisine, le crochet. La balle de golf, enfin, ça me servira pas la balle de golf, mais je la prends quand même. Donc là, vous venez de voir que j'ai pris aussi le Bartoli au niveau munitions, ça m'en fait un peu plus pour le Silver Bowler. Là, depuis l'entrée de la planque, je descends par la gouttière, c'est assez pratique, on est assez proche de l'église. Je prends des pièces de monnaie, tranquille. Voilà, ensuite... Ensuite, je me dirige au même endroit que dans la première version. Et je vais aller neutraliser ce petit bonhomme. Surprise! Motherfucker. Donc voilà. Ensuite, je vais déverrouiller la porte. Voilà. J'ai pris le crochet comme ça par précaution. Après, du coup, on récupère la clé, donc c'est même presque plus rapide d'ouvrir les portes. On cache le petit monsieur, voilà, après s'être déguisé.
Ensuite, on se met à couvert et on va attirer le monsieur qui a le point blanc. C'est un drôle de petit bonhomme. C'est bon. Hop, il m'a pas repéré. Impeccable. Et surprise. Tac. Et c'est parti. Alors on récupère notre pièce et on va traîner ce petit bonhomme et le ranger dans la caisse. Donc là, on sort d'ici, on rentre dans l'église, on se dirige en sous-sol. Et là, qui est-ce qu'on voit ? Le prêtre, qu'on va tout de suite neutraliser. Surprise ! Hop, tac ! Voilà, et on va traîner son corps jusqu'ici. Et on va supprimer, on va détruire le système de caméras de surveillance. Tant qu'à faire. Des fois qu'on serait obligé d'aller à l'extérieur, ça nous. Comme ça, on sera pas repéré par les caméras. Donc là, je vérifie tout simplement que la porte n'est pas verrouillée. Et là, maintenant, on va chercher le cardinal. Donc lui, il fait des allers-retours, il rentre à l'intérieur, il ressort pour se mettre à l'extérieur, proche de la porte. Donc il y en a un qui peut nous repérer, qui est juste au-dessus du balcon. Je suis en train de le regarder d'ailleurs, voilà. Donc là, qui est-ce qu'on voit ? Ben, c'est le cardinal, donc le prince. Donc on va attendre. Je prends la paire de ciseaux, mais elle ne me servira pas. Ensuite, juste au cas où, je garde les pièces quand même de côté. Afin de m'en servir rapidement au cas où. Et normalement, d'ici peu, il devrait aller en sous-sol. Voilà, toi tu fais toujours le même aller-retour. Ce qui est bien, c'est que le fait qu'on ait neutralisé le mec tout à l'heure, du coup, ça évite qu'on le croise. Parce que dans cette tenue, il peut nous repérer. Donc voilà. Là, j'ai gagné du temps en poussant une première fois le garde. Hop, on recommence une deuxième fois. Et là, j'ai suffisamment de temps pour m'occuper du cardinal. Par contre, c'est vrai que voilà, il faut pas traîner après. Hein, faut courir jusqu'à lui. Alors, je déconseille de faire ça dans une marche d'escalier. Voilà, attendre qu'il soit bien sur du plat. Et hop là, on n'en parle plus. Surprise! Au revoir, monsieur le cardinal. Et donc là, c'est bon. Défi réussi, le prince. On a bien sûr le rang Silent Assassin. Qui nous sera montré tout à l'heure. Et donc là, c'est bon. Je peux donc partir. Donc lui, bah, il a trouvé le corps, mais de toute façon, après, voilà, il ne sait pas ce qui s'est passé, il n'a rien vu, donc ça passe pour un accident, c'est impeccable. C'est vrai, on ne sait pas, le cardinal, il a très bien pu avoir une crise cardiaque. Ah bah voilà. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'en profite que c'est la fin, justement, bah, écoutez, pour vous souhaiter une bonne fin d'année. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Je vous souhaite d'en profiter, amusez-vous avec vos amis, votre famille. Franchement, passez du bon temps, c'est le plus important. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Voilà,
On finit donc sur le score total de la mission. Voilà. Retrouvez-moi sur oldschoolgameuniverse.blogspot.fr. C'était Immortal71 Camille. Encore une fois, joyeux Noël et je vous dis à bientôt les amis. Allez, ciao.